Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce lundi 3 juillet 2023. Je ne suis pas allée à la mairie, non, parce que j'ai pas eu le temps. Ben, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas le temps, j'irai demain. Voilà. J'ai eu des contretemps. Hein. Quand on n'a pas le temps, c'est qu'on a des contretemps. Et là, voilà. Donc j'irai demain, tranquillement, tranquillement. Voilà. Alors c'est pour ça que quand même, comme je ne bouge pas, je vais rester là. Je vais aller au travail, bien sûr. Hein. Et alors, comme j'ai un peu de temps, eh bien, je vais ouvrir un colis. J'ai reçu un colis à l'instant tout à l'heure, là. Et donc, c'est un colis de Brigitte D. Et alors, Brigitte D, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'envoie un colis, mais elle m'avait dit qu'elle déménageait en mai, là, au mois de mai. Et alors, et donc, apparemment, elle a déménagé parce que c'est plus la même adresse. Donc, ben, j'espère déjà que tout s'est bien passé, parce que les déménagements et les emménagements, voilà quoi. Hein, moi, je vais bientôt y... Enfin, bientôt. La fin de l'année, là, au mois de décembre, c'est sûr, c'est quasiment officiel. Bon, on va voir. C'est quasiment officiel. Je confirmerai, parce qu'il peut toujours y avoir des contretemps, encore, ou des... Voilà. Il peut se passer encore plein de choses, mais voilà, je vais déménager, je vais partir. Je vous l'avais dit, de toute façon, vous le savez, hein. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce que vous devez savoir. Hein. Voilà. Donc voilà, je sais ce que c'est que les déménagements, les emménagements. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc j'espère que tout s'est bien passé, que tu es bien installé et tout ça. Hein. Voilà. Alors donc, je vais ouvrir ton colis. Je suppose que tu m'envoies. Hein. C'est pas, je ne sais pas. Je vais ouvrir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là, tout de suite dans l'immédiat? Ben rien. Non, rien. Voilà. C'est ça. Rien du tout. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. Je voulais vous dire un autre truc. Il me semble que je voulais vous dire un autre truc. Mais bon, c'est parti. C'est parti. Ouais. Donc, alors, nous sommes le 3. Ah, ouais, le 3 juillet, pour moi, c'est une date importante. Un 3 juillet, pour moi, c'est une date importante. Si, je vous en ai jamais parlé. Non? Le 3 juillet, l'an 1989. 90. Attendez, attendez, 71, 19, 19, je compte. 99, 1989, 1989. En 1989, non, 1990, j'ai le droit de me réfléchir. Le 3 juillet 1990, j'ai signé mon premier. Ah, mais c'est très important pour moi. C'était hyper important, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, le 3 juillet 1990, j'ai signé mon premier contrat, mon premier CDI dans une moyenne surface. Hein. Ouais, c'était pas le métier des rêves. Parce que moi, vous savez, j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Hein. Ma mère, elle m'a dit, tu rêves, ma fille, tu vas aller. Rien du tout. Que dalle. Ma pauvre fille, tu rêves. Donc évidemment, je n'ai pas réalisé mon rêve d'être hôtesse de l'air et tout ça. Bon, bref. Et je me suis dit, bon, ben voilà quoi. Je ne suis pas hôtesse de l'air, je ne suis pas hôtesse de l'air. Mais j'ai quand même été hôtesse, hein, hôtesse de caisse. Ben, c'est déjà bien, hein, j'avais le mot hôtesse, hein, c'est déjà pas mal. Donc mon premier CDI, le 3 juillet 1990, je m'en souviens parce que c'est important, vous savez, d'avoir un CDI, même maintenant, pour avoir un logement, pour avoir un salaire, pour voilà quoi, pour si, bah c'est vachement important son premier emploi. Moi, je trouve que c'est vachement important. Si, je me souviens plus de ça que de la date de mon permis. Moi, mon permis de conduire, je vous raconte ma vie, j'ai le droit, c'est le courrier. Hein. Mon permis de conduire, c'était une catastrophe. Je l'ai eu au bout de 5 fois parce que je pense que le contrôleur, le machin, l'inspecteur. L'inspecteur était désespéré, il s'est dit, elle va jamais l'avoir. Hein. Alors, mon code, je l'ai eu du premier coup, parce que comme c'est intellectuel le code, c'est. Ouais. Si, faut apprendre. Ben, je veux dire, c'est une leçon, c'est des devoirs, hein, le code. Donc, ça, du premier coup, pas de problème. Hein. Mais alors, le permis, 5 fois, et je me suis dit, je vais jamais l'avoir, il va falloir tout que je recommence. Hein. Moi, c'est ça. Alors, j'ai fait mes yeux de merlan frit. Je me suis dit, si je lui fais du charme à l'inspecteur, peut-être ça va passer. Il va craquer, il va me le filer au bout de la 5e fois. Non, mais je tremblais. J'avais ma jambe qui tremblait, qui tremblait, qui tremblait. J'ai incapable de rien, incapable de l'avoir, hein, ce permis. Incapable. Hein. Bon, moi, je l'ai eu, bon, au bout de 5 fois. Mais je me rappelle pas de la date. Hein. Non, non. Je me souviens que je l'ai fêté. Ça, c'est sûr, je l'ai fêté. Ça, je m'en souviens. Mais alors.
Je me souviens même comment j'étais habillée, comment j'étais coiffée, tout ça. Mais alors la date, que dalle. Non, alors faut que je regarde sur mon permis pour savoir quand est-ce que je l'ai eu. Hein. Enfin voilà. Vous en foutez? Ouais, vous en foutez. Non, mais est-ce que vous, ça vous a marqué la date de votre permis de conduire, la date de votre premier contrat de travail, la date de premier logement, par exemple. Bon, ça, je m'en souviens pas non plus. Hein. Oula. Non, bah, de toute façon. Mais il y a des dates comme ça qui marquent dans la vie. Hein, même si les dates, c'est. J'ai toujours dit que c'était pas très important, moi. Non. Ça change tous les jours, de toute façon. Donc, voilà. Vous avez compris, on est le 3 juillet 1900. Ouais, c'est ça. Heureusement que non, hein, je recommence pas. Ah non, je recommence pas. Il y en a qui. Vous savez, comme la chanson de Calogero, là, en 1987. Hein, tu te souviens? Les. Je sais plus quoi, sur les baskets, les cassettes qu'on rembobine. Nanana, 1987. J'adore cette chanson, mais je ne retournerai pas en 1987, que dalle. Hein. Non. Alors donc, voilà. Moi, j'adore vieillir. Si. Je suis très contente de vieillir. Si. Et voilà. Donc, et mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, vous avez peut-être une date comme ça qui vous a marqué. Hein, je ne sais pas. Bon. Allez. Tout ça en, pour 5 minutes. 7 minutes. Si, enfin, bon, si c'est quelques. Alors donc, nous sommes donc le 3 juillet. Juillet. J'ai le droit de dire juillet. Alors, mon marque-page, hein, donc c'est bien un marque-page pour le truc là. Elle m'a confirmé. Hein. Donc, nous sommes le 3. Alors, HHH 47, Tataclom a fait un magnifique tamponnage, un magnifique dessin. C'est sublime, sublime, sublime. Elle a fait un pochoir comme ceci. Hein. Oh là là, je suis encore dérangée. Alors, donc, je disais, ouais, elle m'a fait un haut pochoir des trucs comme ça, bicolore, vert et mauve, hein, avec une jolie fleur qu'elle a colorisée, tout ça, tout ça. Ah non, c'est même pas, je sais pas, je sais rien, je sais pas. En tout cas, c'était joli, hein, si, c'est pareil. Donc, c'est le HHH 47, Tata Clo, mais vous le savez, ça, 47. Ah oui, c'est ça, 47, 47, c'est pas 87. Alors, et voilà que les véganes veulent interdire le pétanque sous le prétexte que le cochonnet souffre trop. C'est très drôle. Si on disait que c'était drôle. Hein. Donc c'est la Saint Thomas. Hein. Thomas Dutronc, Thomas Pesquet. Hein, voilà. Et alors, on est très content. Et bonne fête à tous les Thomas et les tomates. Au féminin, ça doit faire tomate, sûrement. Hein. Et alors, c'est l'horoscope. Alors le 3 juillet, l'horoscope. Tout le monde vous aime. Votre charisme fait mouche. Ouais. Et attire toutes les sympathies. Ah non, bah je croyais que ça faisait fait mouche et puis attire toutes les. Non, parce que les mouches, c'est pas très propre une mouche. Hein. Moi, j'aime pas trop les mouches. Hein. J'aime pas du tout les mouches d'ailleurs. Je sais pas pourquoi pas trop. Non, je les aime pas du tout, du tout. Hein. De toute façon, j'aime pas trop les insectes en général. Hein. Pourtant, les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. J'aime pas les insectes. Hein. À part les papillons, les petites chenilles. Il y a des petites choses qui sont mignonnes comme ça, toutes mignonnes, toutes mignonnes. Hein. Mais alors, les fourmis, tout ça, c'est. C'est chiant quoi, c'est chiant. J'aime pas moi. Je n'avais pas de mouche. Mais ben, c'est pas grave si t'avais pas de mouche. Il y a marqué je n'ai pas de mouche parce qu'elle a mis des stickers papillon, escargot et coccinelle. Et elle n'avait pas de mouche. Hein. C'est normal, des stickers mouches, ça doit être très rare parce que des mouches, c'est. Qui aime les mouches? À part les araignées. Je sais pas. L'araignée, elle aime les mouches. Elle les suce jusque nantinani, elle les vide de leur sang. Ouais, l'araignée, elle mange les mouches. Vous avez compris quoi, c'est n'importe quoi, c'est comme d'habitude. Bon, alors Thomas, et puis Thomas. Alors, il n'y a pas d'anniversaire. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Demain, c'est le 3, c'est un autre jour. Hein. Hop là. Voilà. Alors donc, c'est très, très sympa tout ça. Alors, le 3 juillet, ça va mon amour? C'est mon amour qui est venu me rejoindre. Hein, si. Ah, sans lui, je suis perdue. Réussir un carreau en jouant à la pétanque. Bah décidément, on parlait du cochon. Mais ça s'invente pas, hein. On peut pas, c'est bizarre quand même. Là, elle parle du cochonnet, là, ça parle de la pétanque. Hein. Réussir un carreau, hein, vous savez ce que c'est qu'un carreau à la pétanque, hein, hein? C'est quand le tireur touche la boule, il vise une boule, et que la boule qu'il a lancée reste à la place de celle qu'il a fait décoller. Hein. C'est ça un carreau. Hein. Moi, j'adore jouer à la pétanque. Hein. J'en faisais des concours. Hein. Et alors, je suis très forte, très très forte. Hein. Mais moi, j'étais une pointeuse. Je sais pas, enfin, tirer. C'est pas trop tiré, mais j'étais une pointeuse et alors, mais par contre un carreau, je sais ce que c'est, hein, donc c'est ça un carreau. Et donc réussir un carreau, c'est très très dur de réussir un carreau. Hein. Ah si, c'est très bien. Alors donc, voili voilou. Et donc un truc inutile à savoir. Hop. Alors vérifiez si vous n'y croyez pas.
La longueur du pied est égale à celle de l'avant-bras entre le poignet et le coude. Allons. La longueur du pied est égale à la celle de l'avant-bras entre le poignet et le coude. Le poignet et le coude. Alors votre pied, il fait cette longueur-là. Enfin, je veux dire, pas comme ça. J'ai des grands pieds comme. Si, bah, c'est incroyable. Hein. Bah, vous mettez votre pied à l'avant-bras. Moi, je ne sais pas si je peux le faire. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, pour ce faire. Alors, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Je peux pas. Ah bah si, c'est ça. Si, c'est ça. Hein. Regardez. Si, regardez, mon pied, il est aussi grand que la machin entre le coude et le bidule. Ça fait ça. Si, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous le faites, hein, puis vous vérifiez. Et puis, vous dites que vous êtes content. Donc, bah, pour acheter les chaussures, c'est simple. Hein, vous mettez la chaussure de là à de là et vous savez qu'elle vous ira. Hein. Pour les enfants, tiens. Alors, c'est la galère pour acheter des petites chaussures aux enfants. Hein. Eh bien, ne galérez plus. Hein. Mettez la chaussure au niveau du coude et du poignet et vous aurez la taille du pied de votre d'enfant. Hein. Moi, je trouve que c'est pas un truc inutile à savoir. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Hein. Très intéressant, très très intéressant. Voilà. Alors, on va donc ouvrir le colis de Brigitte. Hein. Tous ensemble, tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'elle m'envoie du tout, hein, mais nous allons donc ouvrir. Brigitte, c'est le prénom d'une de mes tantes. Hein. Enfin, elle doit toujours être en vie. Elle était si jolie, Brigitte. Brigitte, ça me rappelle Brigitte. Hein. Voilà, Brigitte, ça me fait penser à, vous savez, à comment qui s'appelle l'humoriste là, oh mince, oh zut, elle fait Brigitte, comment elle s'appelle, oh là là, je connais qu'elle, je l'adore en plus, bon, enfin, tant pis, hein. Non, mais enfin bon, vous savez de qui je parle, si vous dites que vous savez, ça me fera plaisir. Brigitte. Alors, une petite carte, vous étiez tout mignon, j'ai rien, ma NJ, j'ai rien. Mon nom de famille, c'est mon nouveau nom de famille, j'ai rien. C'est pour l'adresse. Madame NG, j'ai rien. Et 4 mai, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? 37 000 pour se faire, département Haut-les-Cœurs. Oh non, c'était tout mignon. Excellent, hein? NG, j'ai rien. 4, mais qu'est-ce que je vais faire? 37 000 pour se faire, département Haut-les-Cœurs. Excellent. J'adore, 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 j'adore ce genre d'humour. J'adore, j'adore. Oh là, mais t'es folle, hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, ça me stresse, hein. Si, ça me stresse. Hein. Je suis pas bien. Hein. Oh, je suis pas bien du tout. Hein. Oh là là, tout ce qu'il y a. Mais c'est Noël. Hein. Non, c'est Noël. Tu sais que c'est pas. On est le 3 juillet, on n'est pas du tout le 25 décembre. Hein. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais t'es folle, écoute. Hein. T'es sûr que tu te sens bien, non, dans ta tête? Alors, bon, bah, je vais être obligée d'ouvrir. Hein. C'est Noël, c'est Noël. Alors, ça, c'est un petit mot, non? Avec les trois symboles, regardez, c'est tout mignon. C'était tout mignon, mignon. Hein. Alors, quelques cartes que tu pourras partager. Ah, bah oui, avec plaisir. Un coup de courrier. Ah, ouais, c'est vrai. Et j'ai pas le temps de faire tout. Là, j'en fais des créations, des cartes, des cartes, des cartes. Je fais des cartes, des cartes, des cartes. Pour pouvoir vous envoyer des petites cartes à certaines d'entre vous. Hein. Elles sont pas signées, mais c'est pas grave. On a pas signé ces cartes. Mais il faut signer. Comment je vais faire? Bon, je vous les montre et vous saurez que si vous recevez cette carte-là, c'est de Brigitte. Hein. J'arrache le papier de soie. C'est du joli papier de soie mauve. Hein. Avec des paillettes. Oh mince. Oh, 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 oh. Regardez, avec des paillettes et tout. Hein. C'est très joli. Hein. C'est magnifique. Hein. Si, c'est très très beau. Hein. Waouh, 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 waouh. Mais dis donc, t'as bien travaillé. Oh, c'est trop joli. Regardez comme c'est. Pardon, je digère. Regardez comme c'est joli. Oui, titi, tout mignon. C'est très beau, hein. Avec mes trois. T'es gentille. C'est gentil, hein. Donc, c'est pas moi qui les a fait, hein, si vous les recevez. Non, c'est pas moi. Non, c'est Brigitte. Brigitte. Je suis en train de chercher le nom de. Oh là là. Oh, ça m'énerve de chercher des trucs. Ça m'énerve. Vivre ses rêves. Regardez, c'est beau, hein. C'est très joli. Hein. Dans mes couleurs, avec mes symboles. Waouh, les trèfles. Oh, c'est joli. Titi, tout mignon. Le bonheur, hein. Si, le bonheur. Regardez, c'est beau, hein, avec les trèfles et tout. C'est trop joli, hein. C'est trop beau, hein. Waouh. Oh, t'es un amour, hein. Elles sont trop jolies. Ah, ça, c'est la technique du craquelé, là. Ça fait magnifique, hein. Oh là, c'est trop bien. Regardez comme ça fait trop joli.
Le système de la colle et de la peinture, là, vous savez, me craquelé avec la colle blanche. Regardez comme ça fait trop beau ce qu'elle a fait. Waouh, elle est belle ta carte. C'est trop bas, c'est trop beau, c'est trop bas, c'est trop beau. Et ça, oh, c'est beau aussi ça. Oh, c'est joli. Oh, c'est trop magnifique, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Amitié, c'est joli, hein. Regardez, hop, 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 toc, 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 hop. Si, badaboum, hein, toc, toc, toc. Hein. C'est trop joli, hein. Regardez-moi ça. C'est une petite carte chevalet. Comme ça, toute mignonne, hein. Sur une base de... C'est trop joli tout ce que tu as fait. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est trop beau. Oh, non, tout ce qu'elle m'a fait. Moi, je m'attendais pas à un colis comme ça. Hein. Je n'aurais pas le temps de... Je voulais faire une petite... Regardez, oh, ça c'est le papier calque froissé, ancré. Ça fait trop joli, hein. C'est vachement bien. En bleu comme ça, qu'est-ce que c'est joli, hein. Oh, c'est trop joli, t'es adorable. C'est beau le verre bleu comme ça, c'est trop joli. Oh alors, c'est trop magnifique, hein. Enfin, t'as compris quoi. Ah là là, là, là. Oh, c'était tout joli, joli, joli. Hein. Oh, ça c'est très chabi. Oh, c'était tout mignon. Joyeux anniversaire. Regardez comme c'est joli. C'est beau. Je vous décris pas toutes les cartes, hein. Mais c'est trop beau, trop beau, trop beau. Je me demande si c'est pas des patouilles, des tamponnages qu'elle a fait elle-même. Si, si, c'est des fonds de cartes qu'elle a fait elle-même. Et puis après, elle a collé des petits die-cuts comme ça, avec un petit peu de twin. Elle a tamponné le sentiment joyeux anniversaire. C'est trop adorable. C'est sublime. J'adore le petit lapin. Il était tout mignon. C'était tout mignon. Et ça, c'est le petit garçon, hein. Joyeux anniversaire, tout pareil. Et alors, oh, c'est trop charmant, hein. C'est trop charmant. Ils sont beaux, tes petits die-cuts, là, avec les enfants, là. C'est trop mignon. Et la twin, ça fait joli, vous voyez, mettre du... Ah, mais ça fait un oiseau, vous avez vu? Enfin, moi, je vois un oiseau. Ouais, mais alors, je sais. Ouais, je sais. Ça, on dirait un oiseau, là. Hop, regardez. Toc, toc, toc. Là, le petit bidon. Hop, là, c'est l'aile. Ah, ça fait un oiseau. Et puis là, c'est la queue. Hein, là, si. C'est un petit oiseau. Alors, moi, je vois un oiseau. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien, j'adore. Et là, oh, c'est trop mignon. Ah, mais ça, c'était pas un sketch? Oh, c'est trop joli. Hein. Oh, il est trop beau ton sketch. J'adore. Oh, puis les couleurs comme ça, pastel, qu'est-ce que c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Oh, c'est trop joli. Adorable, adorable, adorable. C'est trop beau. Ça me fait penser à des sketchs. C'est peut-être pas tout à fait le sketch. Je me rappelle plus si on avait. C'est trop joli. Trop joli. Et puis à l'intérieur, oh, c'était tout mignon. Elle m'a fait une boîte aux lettres. Regardez. Ah, ça sonne mon téléphone. Ça sonne de partout. Enfin, je vais être un petit peu débordée. Regardez. Hop. Avec des petits courriers. Oh, c'était tout mignon. Oh non, non. Si, c'est la boîte aux lettres d'Angie qui déborde. Hein. Qui déborde avec tout ce que vous m'envoyez. C'est ça. Ouais, c'est trop charmant, hein. Ouais, t'es tout mignon. Vous avez compris, quoi. Si. Alors ça, je vais le remettre dans le sac parce que les petites découpes, sinon, elles vont s'envoler, hein. Comme les papillons, hein. Vol, vol, petit papillon, vol, vol, petit courrier. Elles sont trop belles. Hein. Alors c'est dommage, c'est pas signé, hein, mais de toute façon, quand c'est très très beau, ça vient pas de moi. Ça vient des autres. Et... Oh non, non, c'est vintage, c'était trop charmant. Oh, c'est trop charmant, hein. C'est chavi. Oh, c'est joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi ça, c'est le sketch, c'est un des sketchs, regardez comme c'est beau ce qu'elle a fait. Oh, c'est trop joli, c'est beau. Avec des petits cœurs là, 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 des petits cœurs, petite marguerite. Ouais, c'est trop beau, les papillons, il y a tous mes symboles à chaque fois. C'est trop charmant. Oh, t'es un amour, c'est trop beau. T'as compris quoi. Oh, oh là là, quel bonheur d'envoyer toutes ces cartes, hein. Voilà. Un amour, un amour, un amour. Hein? Ensuite, oh là, moi je vais faire. Oh, c'est beau ça. Oh, il est beau celui-là. Le SketchUp. C'est le même sketch, mais avec version bord de mer, quoi. Regardez comme c'est trop beau. L'étoile de mer. Oh, c'est joli aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est joli. Hein. J'adore tes interprétations. Elles sont trop bien. Le temps des vacances. C'est pas le temps des cerises, hein, c'est le temps des vacances. Hein. Donc là, elle a mis un petit papier pour écrire un mot, mais moi, j'écris pas. Non, j'écris pas. Je ne sais pas écrire, de toute façon. Non, je ne sais pas écrire. Alors, elle m'a fait des bordures comme ça avec le... C'est trop magnifique, hein, regardez. C'est trop joli. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop belle, ta carte. C'est beau ce que vous faites. C'est très, très beau. Hein. Et alors, celle-ci?
Ouh, Titi, tout mignon. Celle-là, je la garde. Ah, si, j'ai le droit, hein. Non, mais si, hein. Je la garde. Si, parce qu'il y a mon chat et mon robot. Titi, tout mignon. Titi, tout mignon, hein. Oh, liberté, tendresse, love, fidélité, câlin. Ouh, Titi, tout. J'adore. Celle-là, c'est pour moi. Tu sais, j'en garde une, hein. J'ai tout à fait le droit. J'ai le droit. Trop, trop adorable. Oh, oh non, le travail. Mais dis donc, t'as pas... avec le déménagement et l'emménagement, t'as réussi à faire tout ça? Bah dis donc. Et on dit que moi je suis forte. Bah dis donc, c'est pas. Bah, rien. Bah, non. Vous êtes trop 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 forte. Hein. Oh là, mais t'es folle, écoute, comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est quoi tout ça? Pour Sabrina. Ouais. Eh ben je lui donnerai. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Je vous montre ou je vous montre pas? Je sais pas quoi faire, moi. Je vais l'ouvrir? Non. Ah, c'est pour Sabrina, c'est pour Sabrina. Hein. Je regarde quand même. J'ai le droit. Je m'en fous, je prends le gauche. Bah si, hein. Je prends le gauche, hein. Je fais comme si. Mais elle ne saura pas, j'ai ouvert, j'ai le droit. Ça fait le droit, hein. Je le remets très bien. Oh là là. Bah, c'est, oh, Titi, tout mignon. Oh, un petit tag. Merci de tout cœur. Un grand bravo. Oh, Titi, tout mignon. Voilà. Et ensuite, je vais te refais le droit. Une petite album, tout mignon, non? Oh, c'est charmant. Oh, c'est trop beau. Waouh. Oh là là, c'est trop magnifique. Un petit album photo. Oh, c'est joli, hein. Oh, c'est trop magnifique, hein. Elle a fait un petit album comme ça. Regardez comme c'est beau. Oh, dis donc, hein, c'est... Oh là, je suis trop heureuse. Trop heureuse pour elle, hein. Oh, j'adore. Trop, trop mignon, hein. Bon, vous avez compris, j'adore. C'est trop joli. Love. J'aimais bien ce petit album-là de... C'est un petit album die-cut comme ça de lavande, thème lavande, je crois, non, de chez Action, là. Qu'est-ce que je l'aimais bien, ce petit machin, là. Qu'est-ce qu'il a, il a dû avoir un succès fou, parce que... Un succès fou. Avec les filles, j'ai un succès fou. Le charme, ça fait vraiment tout. Oh là, c'est trop joli. Joyeux anniversaire. De toute façon, c'est le 12 juillet, son anniversaire. Si, je lui donnerai. Hein? Dès que je la verrai, par contre. Hein. Oh, c'est gentil, ça. Oh, elle va être contente, hein. Oui, t'es tout mignon. C'est trop gentil. Ben, elle la remercie, puis elle lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est trop, trop beau. Donc, je vais remettre ça dans le papier cadeau. Hein. C'est trop magnifique. T'as compris. Elle va être trop contente. Ben, déjà qu'elle était super contente. J'ai pas eu l'occasion de la revoir là parce que en fait là le monsieur qui m'a livré le colis là, bah, c'était pas elle. Non, c'est enfin, le monsieur qui m'a livré le colis, c'était pas elle. T'as compris ce que j'ai dit? Non, c'était pas elle, c'est un monsieur qui m'a livré aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc bah c'est pas grave. Je vais la voir, hein. Bah, oui, je vais la revoir. Je vais la revoir. On va se revoir, on va se revoir. De toute façon, maintenant elle me contacte sur Messenger. Je sais plus quoi là. Je sais pas comment elle a fait pour trouver mon je sais pas. En tout cas, elle m'a retrouvé. Ah bah si, Angie Craft Enjoy. Ou alors ça se trouve. Bah, je sais pas mais comment elle a fait, mais elle m'a trouvé. Hein. Si, elle m'a trouvé. Alors, elle va voir que j'ai ouvert son colis. Hein. Si, elle va voir. Ça va se voir. Ça va se voir. Ça va se voir. Mince. Si, ça va se voir. Tant pis. Hein. C'est pas grave. On disait que ça se voyait pas. Ça, c'est pour Sabrina. Hop là. Et voilà. Ah mince. Je suis nulle hein, pour faire les paquets. Ah mais je suis nulle. Faut pas qu'on disait qu'il fallait que ça passe incognito. Non, ça se voit pas, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Hein. Alors ça, je vais lui donner dès que je la verrai. Ça me fera un truc en moi à moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi là? Pour toi. Alors, il est beau ce papier de soie là, avec les paillettes là. Il est magnifique. C'est quoi hein? Oh, c'est joli, un pot à crayon. Il est beau. Ah, bah tiens, c'est le papier que j'utilise en ce moment. C'est le papier que j'utilise en ce moment pour faire le. Je l'ai trouvé magnifique, c'est pour ça que je l'ai acheté le. Il est trop beau. Oui, Titi, tout mignon. C'est beau, hein. J'adore. Avec mes trois symboles. Il est où le cœur, le papillon et la marguerite? Oh, c'est joli. Oh, il était trop, trop, trop beau, hein. Oh. Il va falloir que je me trouve un grand truc hein, pour mettre tout ça. Oh là là.
Alors, oh oh là, une folle. Si c'est une folle, hein. Je sais pas comment on veut faire. Pour toi aussi, c'est marqué pour toi. Hein. Tout ce qu'il y a, mais tu te sens bien, hein? Est-ce que tu te sens bien des fois? Alors, oh, tout ce qu'il y a, je sais même pas par quoi. Parce que dans les paquets, il n'y a pas un truc, il y a trois trucs. Alors, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? C'est ça, c'est joli. Un petit arbre de vie, des petites brûlées, un petit chat, oui, t'es tout mignon, avec les gorgus là, c'est vos gorgus, ça, si. Les petits papillons, c'est trop charmant. Il est beau ce papier mauve, j'adore, j'adore, il est trop magnifique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, mais t'es folle, écoute. Oh là là, bon, alors c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Ce petit, un petit album, c'est trop charmant, hein. Il y a plein de cadeaux là-dedans. Vive sa passion, toutes les couleurs du bonheur, un échantillon de douceur. Je les mets là, j'ai le droit, hein. Et là, c'est quoi, hein? Des petits chats, des petits chiens. Mais t'es tout mignon. Ici, hein. C'est trop charmant. Cat, dog, trop charmant. On peut peut-être les partager, pourquoi pas, hein? Si vous êtes gentil, bien sûr. Sinon que dalle. Sinon que dalle. Oh, alors, oh, je sais plus. Oh là là, tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des petits papillons, hein? Plein de petits papillons comme ceci, rose, pailleté rose. Ils sont très beaux, hein? Très très beaux, hein? Et là, qu'est-ce que c'est? C'est vachement bien. Hein. Oh là là, c'est trop beau. Attendez, je sais plus où donner de la tête. Non, je sais plus où donner de la tête. Il y a des cœurs. Oh non. Et papillons. Papillons s'envolent. Des petits cœurs. Oh, c'est beau. Hein. Ça, c'est des collages. Vous voyez, elle a collé des petites bandelettes. Hein, et puis, elle les a découpées. J'aime bien faire ça, moi aussi. Je l'avais fait un jeu. Ils sont trop beaux. Donc, des papillons. Attendez, pour l'instant, je vais les remettre là. Hein, parce que je vais tout paumer. Hein. Si, je vais tout paumer. Et là, c'est un petit tag. Hein. Oh là, il est beau ce tag. Attends. Oh, il est magnifique. Oh, c'est joli ce que tu as fait. Oh, avec les cœurs, les marguerites, les papillons. Regardez comme c'est joli. Mauve. C'est trop, trop beau. Il est beau ton tag. Il est magnifique. Magnifique. Une petite dentelle mauve en dessous là. C'est très chabi. C'est très joli. Très, très joli. Ouh, titi. Ouh là là. Ouh là là. J'aime. C'est trop, trop joli. Ah, attendez, je le remets délicatement. Hop là. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai le droit, je fais ce que je veux, non mais dites donc. Hop, et puis là, je remets, je referme, hein, avec les petits brats, là. Voilà. Et puis là, je referme comme ceci. C'est trop, trop joli. Hein. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, j'aurais mieux fait de les laisser pour l'instant, mais bon, t'as compris, quoi. C'était parce que peut-être je les partagerai, les machins, les machins, les tampons, les machins, les trucs, les bidules. Et là, nous avons. Un petit papillon, une petite breloque papillon, une petite breloque chat aussi, très jolie, le chat et puis le petit papillon, le petit cœur, les marguerites, toujours, toujours. Attendez, j'y arrive pas. Non, je suis emmêlée, hein. Je suis emmêlée avec les fils, hein. Si, je suis emmêlée avec les fils. Ah, attendez, j'ai fait des nœuds. Si, j'ai fait des nœuds. Oh là là, j'ai fait des nœuds. Attendez. Si, ben, si, faut attendre, là, vous avez pas le choix. Alors, hop là. Ensuite. Hop là. Oh là là. Alors attendez. Donc, peut-être même le même à peu près le même système. Ah ben je l'ai mis à l'envers. Ouais, vous avez t'as compris quoi. J'ai ouvert à l'envers. La pauvre fille. Donc hop, t'étais tout adorable. Et là, oh, mais t'es folle. Oh, elle m'a fait des petites compositions. C'est joli ce que t'as fait là. Alors là, elle m'a mis des petits stickers papillons mauves. Ils sont beaux. Oh, ils sont trop beaux. Il y a la petite pochette là pour faire des cadeaux. C'est sympa, hein? Hop. Et là, elle a mis des petits stickers marguerite. Oh, ils sont beaux. Oh, c'est joli. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Mais t'es folle. Et là, elle m'a fait des petites compositions elle-même. Oh, c'est vachement bien. C'est elle qui les a fait, ça. Vous voyez, elle a fait des petits nœuds. Elle y a collé des petites marguerites et puis un petit strass. C'est joli hein, pour mettre sur des petits bouquets de fleurs, des tamponnages de bouquets de fleurs. Je vais faire des cartes avec des tampons. J'ai des tampons un peu bouquets là. Et alors, on faut pas trop se. Là, faut pas trop. Enfin, c'est vite fait quoi. On tamponne, on colorise ou pas, ça dépend. Hein. Faut voir. Et puis hop, juste ça pour le bas de. Comme si j'ai attaché le bouquet avec. Et ça fait tout mignon. C'est tout simple, mais c'était tout mignon, mignon. Voilà. Hein. Je m'en servirai comme ça.
avec mes petits tampons bouquets de fleurs là, je dois en avoir un qui traîne par là, qui traîne par là. C'est trop charmant. Et c'était trop charmant. Bon là, je crois que j'ai fait un tour de trop. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Hop là, voilà. Trop, trop mignon. Adorable. T'es trop gentille. Hein. Et là, non. Elle s'est dit, il n'y en a pas assez, je vais encore y en mettre. Hein. Il est joli cet album-là, hein, celui-là, Marguerite. Là. Alors, elle m'a fait. Je sais pas bien, je m'étouffe. Je m'étouffe. Oh, mais oui, c'est vrai, maintenant que je te vois, maintenant que je te vois, hein, eh bien, elle me l'avait dit qu'elle attendait de déménager pour m'envoyer son HHH et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est trop bien. Oh, c'est formidable, puis son oui, hein. Oui. Oh, t'es tout mignon. Regardez son oui, si, hein, vous avez vu la boucle d'oreille qu'elle a, magnifique. Hein. Si, c'est des boucles d'oreille en or. Hein. Ah, si, c'est des boucles d'oreille en or, regardez-moi ça, hein, c'est trop beau. Hein. Le papillon. Non, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est trop mignon. Oh, c'est trop bien. Ah, oh, c'est génial, trop bien. Et là, regardez son beau HHH avec le bracelet cœur et tout, le papillon, la marguerite. Oh, c'est chouette. Et son adresse, bon, je ne vous montre pas. Alors, un crayon, crayon et crayon. Attendez, je touche le fond. Je touche le fond. Parce qu'il y a du violet là. Je ne sais plus qui me l'a offert, mais il y a du violet dedans. Alors, c'est le HHH 262. Hein? Alors, à l'envers, ça fait toujours 262. Hein? Si? Alors, 262. Hop. Je le mets sur le doigt. J'ai le droit hein, de le mettre sur le doigt. Hein? 262. Ça va bien, hein? 262. Voilà, j'espère que tu es contente et que tu aimes ce chiffre, hein? Parce que tu n'en auras pas d'autre. Et alors, le Way, c'est le 50. Ça, c'est facile à retenir. Hein? Si? 50, c'est 50, c'est la Marne? Non, n'importe quoi. 51, c'est le pastis. Mais 50, je sais pas. C'est la Marne? On disait que c'était la Marne. Non, je sais pas. Oh, tu as 50. Hein. 50-50. Donc voilà, tu es 50. Oui, 50. Et HHH 262. Hein, voilà. Donc je vais te mettre avec tes copines. Hein. Si, tes copines. Hein. Voilà, accueillons Brigitte. Voilà. Dans... Ah, il y a le SM. Oui, oh, c'était tout mignon. Si, hein, c'est un, ben, c'est un SM, c'est un slip mignon, mignon. Hein. C'était tout mignon, mignon. Moi, ça, la dentelle tout bastringue. Hein. Oh, c'est trop joli. Hein. Moi aussi. Hein. C'est dommage, c'est pas des vrais. Je pourrais les mettre. Hein. Je pourrais les mettre. Alors, tu es le SM. Oh, il est trop charmant. SM 110. Hein, 110. On a beaucoup de chiffres ronds. Hein. Tu es le 50, le 110, alors SM 110, hein. Hop là, et tu es 110. Regardez comme c'est charmant, hein. C'est très chabi, hein. C'est très sexy, hein. Très très sexy avec les marguerites, le papillon tout bastringue, tout bastringue, bastringue. Et le cœur, c'est trop charmant. Hein. Tout mignon, bon, vous avez compris quoi, c'était tout mignon, mignon. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais tu te sens bien? Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, butterfly, c'est quoi ça? C'est un... Oh, c'est joli ça. Hein? Oh, mais t'es folle. C'est joli ça, c'est un carnet avec des... Les onglets, c'est des papillons. C'est trop beau, hein. Mais je me demande si on fait pas des... Qu'est-ce qu'ils disent? Butterfly langage, ouais, bon d'accord, ok. Allez, là, je regarde. Oh, c'est trop joli ça. Hein? Oh là 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 là, c'est beau, hein. Ah oui, d'accord. Oh, c'est magnifique, hein. C'est trop beau, hein. Ah, il y en a plusieurs en plus à chaque fois. Oh là là, c'est trop mignon. Trop, trop beau, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est joli, joli comme tout. Je connaissais pas. De toute façon, je connais rien. C'est vrai en plus. Je connais rien. C'est trop magnifique, hein. Pour écrire des petits mots. Et pour faire des cartes, bien sûr, hein, évidemment. Parce que je sais pas ce que c'est comme. Hop là. Attends. Viens ici, toi, petit papillon. Je range. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est quoi la dimension là où en hauteur, c'est 15, non? Ah, c'est 16. Ouais, bah, c'est pas grave. J'ai qu'à couper un peu le papillon, puis ça y est, on n'a pas le plus. Non, je déconne. N'importe. Qu'est-ce que je fais? Non, je sais pas, je suis perturbée. Hein. Là, je vais le remettre là-dedans. Hein. Ça, c'est des jolis die-cut, le papillon. Ils sont très beaux. Hein. Alors, vous savez, hein, je vous ai dit, hein, vous pouvez les décomposer si vous trouvez qu'ils sont trop épais. Hein. Comme ça, avec un, hein, vous en faites plusieurs. Hein. Je le redis, c'est pour ceux qui regardent pas toutes mes vidéos. Très, très instructives. Hein. Très instructives. C'est quoi tout ça? Oh là, elle est folle. Mais elle est folle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des découpes de papillons, certes, mais il y a d'autres choses. J'en ai mal au ventre. Si, j'ai mal, mal au ventre. Comment on fait? Ah, m'a fait. Vous avez vu même les petits, petites pochettes, hein, c'est trop joli. Hein. Attendez.
pas, je ne sais pas, je veux pas l'abîmer. Non, j'ai pas envie de l'abîmer, hein. Voilà. Il m'a fait des jolis, jusqu'au moindre détail, hein. Tout est pensé, tout est mignon. C'est quoi tout ça? Elle m'a fait des découpes de papillons. D'accord, toujours. Mais tiens, ça y est, je sais. Je vais remettre les autres avec. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Non, mais je fais mon petit ménage. Je t'ai fait le droit, hein. Je les mets ensemble, hein. Ils retrouvent leurs amis, hein. Ben si, ils retrouvent leurs amis, hein. Une petite pochette que de papillons. Hein. Je les mets là. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Et ça, c'est quoi? C'est beau, ça, hein. Oh là là. Ah, c'est un cœur. Oh, c'est beau, ça. C'est joli. C'est un cœur avec des papillons. Je vais le tester très rapidement. Je me demande ce que ça doit. Je me demande ce que ça donne. Oh, j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. Alors ça, je le garde. Si je garde tout. T'as compris quoi? Ben si, j'ai le droit. Hein. Alors, c'est quoi tout ça? Il y a marqué quoi là? MJ. Ici, hein. Il y a marqué MJ. C'est pour moi, hein. C'est moi, MJ. Oh, oh là là. Non, mais t'es folle, écoute. Hein. Brigitte. Hein. J'ai peur, non, mais je vous jure, c'est vrai en plus. Hein. Tu sais, j'ai peur, hein. C'est quoi? Oh là là, c'est joli, mais c'est joli. Je mets un petit foutoir à côté, si, oh, bah, j'ai le droit, c'est mon foutoir à moi. Et alors, regardez-moi ça, si c'est beau. Je le connais pas ce papier, il est sublime. Et ça, c'est du tissu, ça, c'est du tissu à petits pois, si, les petits pois, hein. Papillon, marguerite, cœur, c'est trop joli. On dirait des petites fleurs de lilas. Hein, ces petites fleurs de lilas. Oh, c'est un joli petit album. C'est drôlement mignon. Hein. C'est un truc 15-15, non? C'est 15-15, ça? Ouais, c'est ça. C'est trop joli, les petites fleurs de lilas comme ça. Hein. Je ne le connais pas, cet album. C'est Action ou autre chose? Oh, c'est trop bien. Trop, trop bien. Quel travail. Oh là là. Oh! Sublime. Super, super, super. Sur une base de craft, hein, et puis elle a maté avec des jolis papiers de toutes sortes. Hein. Toutes sortes, du mauve, du rose. C'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau ces couleurs? Et là, oh, c'est trop joli. Hein. Et là, c'est une pochette. Ouais. J'adore. C'est trop joli ce que tu as fait. Trop beau. C'est propre, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Trop joli, trop joli, trop joli. Oh, magnifique. Très beau, c'est bien fait, c'est très joli, magnifique. T'as compris quoi? Je te remercie du fond du cœur, c'est trop adorable, trop adorable, trop adorable, trop adorable. Attends, j'y arrive pas. Ah si, ça y est, la peau fine, si, c'est la peau fine. Trop joli, magnifique, magnifique, magnifique. Chaque fois, quand j'ai, si quand vous m'envoyez des colis comme ça, chaque fois, non mais je vous jure, hein, c'est vrai en plus, hein, ça me fait des, j'ai mal à respirer, c'est quoi tout ça? J'ai peur pour toi. Il y a toujours marqué pour toi, alors pour toi, bah, c'est pour moi, hein. Pour toi, c'est pour moi, c'est quoi tout ça? Et là, c'est un joli papier de soie avec des papillons, tout mignon, mignon, ouh là là, mais tout mignon, mignon. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça encore? J'ai trop peur. Ah bah tiens, justement, c'est des papiers avec lesquels elle a enveloppé les cadeaux. Elle a fait les cadeaux. C'est des papiers de soie tout beaux. J'aime bien le mauve là avec les petites paillettes là. J'adore. Même les papillons, hein. J'aime bien aussi les papillons. Mais si, j'aime bien les papillons, mais je préfère le mauve. Bah si, c'est pas ma faute quand même. Alors avec ça, je les jette, vous savez, je les jette pas. Non, je jette, bah non, c'est du papier de soie. Alors on peut faire plein de choses avec. Plein de choses. Plein, plein, plein. Vous faire des jolis fonds de cartes. Vous faites des. Je vous l'ai déjà fait, ça, non? Je crois que je vous l'ai déjà fait. Vous faites une patouille, hein. Vous patouillez des encres ou même avec des feutres. Enfin, vous prenez une enveloppe, par exemple. Hein. Vous prenez une enveloppe. Vous avez déjà fait tout ça. Hein. Vous prenez une enveloppe, vous faites dessus des patouilles, hein, avec des angles, des machins, des dessins, des écritures, des tamponnages, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, vous collez une feuille de soie dessus. Hein, vous la collez, hein. Et alors, votre feuille de soie, tout ce qui est en dessous, ça va ressortir par transparence sur la feuille de soie, ça fait super joli. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire ça fait très très beau. C'est un style.
un style, c'est très très beau. J'ai déjà fait des tutos, des démonstrations, quoi. C'est pas des tutos, c'est des démonstrations. Je veux dire, je suis pas la seule à faire ça non plus. Si je le fais, c'est que j'ai appris un jour à faire ça. Donc c'est très très joli, c'est très sympa. Et on fait souvent ça en art journal aussi. On peut faire ça en art journal. Hein. Sur une page d'art journal, on peut s'en servir. C'est pour ça que je les jette pas. Hein. Ça peut me servir pour tout ça. Et puis pour partager, hein, si je vous en envoie, vous pouvez vous en servir aussi. Hein. C'est beau ça. Hein. Ça c'est très vintage. Ah bah tiens, un diamant. Alors c'est de qui ça le diamant? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle celle qui a fait. Ouais, je sais. Ben, je me rappelle déjà plus. Je me rappelle déjà plus. Non. Ouais, c'est pas grave. Alors c'est un diamant. Donc hein, c'est un nouveau comment qu'on appelle ça? À chaque fois je cherche un nouveau un truc là quoi, machin. Un nouveau format. C'est ça. Et alors ah mais là c'était tout mignon. Alors elle aime le soleil, le bleu, la nature, le lyre, les chats, scraper, le chabis, le chocolat, la mer, les papillons, les roses, voyager. Bah ouais, la nature. C'est très très joli. Hein. J'aime bien le vintage, moi. J'aime bien tout, de toute façon. Un petit ATC assorti. Hop. Tout mignon, mignon. C'est joli le noir et le vintage. Hein. Et là, avec la petite couleur saumonée, là, c'est super sympa. Le beige, le marron, les crus. Et là, un petit tag assorti aussi. C'est très, très beau. Très, très beau. Eh bien, je te ferai un diam. Hein. Je te ferai un diam. C'est super sympa et donc elle a fait une petite pochette comme ça pour mettre sa petite son petit composition là sur bah tiens c'est les fonds qu'on a utilisés hier pour faire une carte vite fait là pouf pouf 10-15 hein, vous pliez en 3 et puis ça y est vous avez une carte 10-15 hein. Et avec une petite feuille de vellum comme ça et avec là une chute là et bien, elle a fait le collage là pour cacher son c'est super bien hein. De toute façon hein, je dis je répète en scrap c'est comme en cuisine rien ne se perd tout se transforme tout est utilisable. Et là, ma fille, jolie enveloppe pour toi, comme ça, avec le cœur en, le die cut en bois, for you. C'est joli, les petits papillons. Une petite montgolfière, j'en vois souvent passer. Ben là, c'est la saison, là, c'est la période. Tous les matins, elle voit passer les montgolfières dans le ciel. La 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 la. J'en ai déjà fait un tour de montgolfière, moi, ouais. Si, il y a longtemps. Ah bah, oh là là, tout ce qu'il y a des jolis embellissements. Oh là là, c'est trop bien. Elle l'a fermé avec un petit velcro. Tout mignon, mignon, hein. C'est tout mignon, mignon, hein. Et alors, elle m'a mis plein d'images vintage. Hein. Très, très sympa. Hein. For you, tiens. Non, c'est quoi qui est marqué? True friends. Hein. Alors, non, c'est pas des amis qui ont des trous. Hein. Non, on en a tous des trous. Mais là, ça veut dire des vrais amis. Hein. Trou, ça veut dire vrai. Vrais amis. Hein. Voilà. Alors, voilà. Il y a les false friends, hein, ça c'est les faux amis, mais il y a aussi les true friends. Hein, true friends. Des jolies images. Hein, toutes mignonnes. Hein. Ben voilà. Hein, let the journey begin. Hein, que la journée commence. Voilà. Toutes. Hein, voilà. Hein, les rêves, hein, les rêves, les rêves, les rêves. Hein. Allez, réalise tes rêves. Hein. Hop là. Et là, tout plein de. Super. Hein. Oh, dis donc, le boulot. Mais tu te rends compte le temps que ça prend de faire tout ça? Oh là, c'est trop joli, hein, c'était tout mignon. Regardez-moi ça, tous ces petits effets. C'est des comment? Beaufils. Des scrap bidules et puis des petits embellissements pour les junks. C'est joli ça, hein, c'était tout mignon. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas adorable. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas tout mignon, mignon. Oh là 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 là, oh là 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 là, oui, c'était tout mignon, oui, les petits oiseaux, hein, c'est des petits oiseaux. Sur une petite base de napperon avec des petits bouts de dentelle, oh, des petits strass, des petits. C'est trop joli, des demi-perles, regardez-moi ça. C'est trop, trop joli. Oh, le travail que tu as fait, non mais tu es folle, hein. Regardez-moi ça, avec la petite épingle gourde, hein. C'est ça une petite épingle gourde hein, pour les débutantes. Si on parle, vous entendez parler d'épingle gourde, c'est une épingle qui est en forme de gourde, voilà, c'est ça. Aussi. Ou en forme de ce qu'on veut hein, aussi. Oui, enfin, vous avez compris aussi. Ouais, il n'y a que moi qui vois les choses. C'est une épingle, quoi. Et voilà, hop, c'était tout mignon. Adorable, hein. Je te remercie, c'est trop charmant. Hein. Oh, le travail que ça représente, tout ça. Moi, je le sais. Hein. Ah, si, je le sais. Hein. Oh là là. Mais attends, mais t'es folle. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Non, attends, quand c'est trop picot. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Oh là là. Pas bien.
Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a mis encore là-dedans? Moi, j'ai peur, hein. J'ai peur, j'ai peur, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est beau. Oh là, c'est joli. Elle m'a fait un petit charme là. Oh, c'était tout mignon. Oh, avec une petite papatte. Oh, c'est trop charmant. Il y a un petit papillon, il y a une petite papatte de chat et un petit cœur comme ça cadenas. Oui, titi tout mignon. Et puis des jolies dentelles. C'est trop beau, hein. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie heureuse. Pythagore. Hein, oui, c'est le théorème de Pythagore. Hein. Oui. Voilà, c'est pas le théorème, mais bon. Alors, je suis pas bien, j'étouffe. J'étouffe. Oh, tout ce qui. C'est une folle. Hein. Oh, tu te sens bien. Alors, tout à l'heure, il y avait les papillons. Maintenant, il y a les marguerites. Si. Oh, je suis pas bien. Oh, des. Je suis pas bien. Je vais étouffer. Oh. Elle m'a mis plein de comment. Je suis pas bien du tout. Des comment. J'en perds mes mots. Si, j'en perds mes mots. Je garde. Hein, si je garde. Des paperclips. Non, mais j'en perds mes mots. Hein. Alors déjà d'habitude, je crois bien, mais. Et puis alors, il y en a plein que j'ai pas. Il y en a que j'ai. Il y en a que j'ai pas, donc je partagerai. Oh, j'adore ce cœur-là, il est trop beau. Celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là, je peux les partager. Celui-là, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûre. Les cœurs, je les ai pas, j'en suis sûre. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ça, je ne l'ai pas. On dirait un A. C'est un A. Ça, on disait que c'était un A. Hein. Si, c'est un A. On disait que c'est un A. Une fraise, hein. Ramène ta fraise. Oh, puis les petits brats. Oh, c'était tout mignon aussi, les petits brats. Oh là là, c'est trop mignon. Les petits brats, tout mignon, mignon. Oh, c'est trop charmant. Hein. Oh, c'est super. Il y en a plein que j'ai pas. Vous verriez la collection. Non, mais. Ouais, je les range dans un classeur, mais le classeur, il va exploser. Je crois que je vais être obligée d'en prendre un deuxième classeur. Je vous montrerai un de ces quatre. Un de ces quatre quand j'aurai le temps. Là, c'est tout plein de marguerites. Donc, du coup, hein, tout à l'heure, c'était des papillons. Et là, c'est des marguerites. Hein, vous voyez? Hein? Ainsi. C'est trop gentil. Oh là là. Oh. Et là, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est moi. Elle a fait un petit paperclip. Vous voyez? Avec un petit ruban. C'est trop mignon, ça. J'aime bien mettre ça dans les junk, moi. C'est très joli. J'adore. Et là? Ouh, c'est trop mignon. Ah, il y a un grand mot. Si, il y a un grand mot. Oh, j'aime bien ce genre de carte. Vous voyez? C'est simple, efficace. Simple, efficace. Elle a collé donc les bandes de papier hein, avec les chutes. Hein, ça fait super sympa. Vous collez vos bandes de papier. Ensuite, bah, vous faites une découpe de la forme que vous voulez dedans. Hein. Et puis, ben voilà quoi, là, elle a mis mes trois symboles, ça représente mes trois symboles. Hein. Et puis, la découpe du cœur, là, ben, vous faites une pochette là pour mettre le mot, ou peu importe, je sais pas, c'est pas ce qu'elle en a fait. Hein. Il a disparu le cœur, hein. Disparu, il a disparu. Je me demande si c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure, là. Tout à l'heure, il y avait un cœur qui était comme ça, qui était composé comme ça. Je me demande si c'était pas, je me rappelle plus là, comme ça. Non. Pourtant, ça fait 3 secondes que je l'ai vu, hein. Je me rappelle déjà plus. Hein. Vous avez qu'à voir, hein. Où c'est que j'en suis, hein. C'est grave, docteur. Alors, je vais dire mon petit, tout petit mot. Hein. C'est un roman d'amour, hein, un roman d'amitié. Hein. Et il y a combien de pages? Si, une grande page. Alors, donc, je vous laisse. Hein. C'est ça. Le temps de lire le mot. Hein. Ça me fait tellement plaisir de lire des mots comme ça. Elle scrape depuis 3 ans et demi, hein, Brigitte. Elle scrape depuis 3 ans et demi. Hein. Puis elle a eu quand même beaucoup de soucis hein, avec son mari, tout ça, qui est tombé malade, enfin malade, qui a fait une rupture de névrisme et tout ça. Donc elle sait ce que c'est que la galère, c'est ça. Et puis elle sait que, elle dit que le groupe Facebook, c'est vrai, c'est un groupe de personnes formidables, mais c'est tellement vrai. Bon, ça, je le dis à chaque fois, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vraiment. Je suis fière de. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière du groupe des scrappeurs du cœur. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière des personnes qui en font partie. Et je suis très fière, très très fière. C'est vraiment voilà, des gentilles personnes, mais pas seulement gentilles, des personnes voilà, qui savent ce que c'est que. Voilà.
Et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce groupe et ces personnes. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai dû faire une bêtise. Ah non. Ah oui. Oh, c'est pas grave ça. Oui, c'était pas grave. Donc voilà. Donc je te remercie pour ton gentil mot. Ça fait toujours plaisir. Mais t'es folle, hein? Oh, j'ai hâte de l'essayer aussi. Hein. C'est une plaque d'embossage à froid avec des papillons comme ça. Oh, c'est trop beau. Hein. Oh, je vais l'essayer très rapidement. Très très rapidement. Oh là là, il a l'air trop beau. Oh, je vais l'essayer vite, vite, vite. Si, vite, vite, vite. Oh, voilà. Alors, des die cut marguerite, des petites fleurs à composer. Ça, c'est pour faire des petites fleurs composer des petites fleurs. Hein. C'est très joli. Hein. Et puis ça, c'est des papillons. Hein. Tout dans les mêmes couleurs. Ça va être trop joli. Hein. Je les aime bien ces papillons. Je les ai... Qui c'est qui m'en a envoyé dans les tons vert et bleu là? Bon, j'en ai fait partir d'ailleurs. Je crois que je les ai fait partir. Je ne sais pas qui c'est qui l'a reçu, la carte avec le papillon là. Je ne sais plus. Je ne sais pas, parce que je ne me rappelle pas à qui j'envoie. Non. Et quoi j'envoie? Et quoi j'envoie? Quoi quoi? Quoi quoi quoi? Quoi quoi quoi? Donc c'est trop trop gentil. Hop là. Donc, je referme. Oh là là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh là. Aïe aïe aïe. Elle a commencé à scraper. Pendant le confinement. Alors, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas encore fini, hein, je vous raconte pas le délire. Hein. Non, je vous raconte pas le délire, c'est le délire. Pour oublier, t'étais tout mignon. Mais fait dodo, il vient de manger. Là. En général, à cette heure-là, à l'heure où je scrape, là, l'heure où je scrape, quand je retravaille l'après-midi, j'entends. Eh bien, on le voit pas, vous avez vu, on le voit pas parce que je lui donne à manger avant et après il fait dodo. Et quand vous le voyez, c'est souvent les après-midi où je ne travaille pas l'après-midi. Et là, comme je suis là plus longtemps, eh bien, après sa petite sieste, il vient me voir. Hein. Si. Et alors là, il fait dodo. Donc je ne vais pas le déranger. Non. Ah non, on réveille pas les gens qui font dodo. Hein. Non, ça ne se fait pas, ça. Et alors, c'est des bonbons. Ah ouais. Oh, il adore ça. Il adore ça. C'est trop gentil. Oui, c'est trop gentil. Hein. Il est en train de gonfler sa réserve. Je ne sais plus qui c'est qui lui en a envoyé il n'y a pas longtemps là. Il gonfle sa réserve, hein, le coquin. C'est ça. Mais les mecs comme un clou. Non, il grossit pas. Ça... Et pourtant, il est. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Pas castré. Ils lui ont. Je sais pas, il a toujours. Non, j'ai jamais compris ce qu'ils ont fait. Non, j'ai jamais compris ce qu'ils ont fait. Il a toujours ses roubignoles, mais il peut plus faire de bébé. Non. Ils y ont pompé je sais pas quoi à l'intérieur, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quand je suis allée le faire stériliser, moi j'ai pas demandé de détails, hein. Je l'ai emmené se faire stériliser, point barre. Et quand je l'ai récupéré, il avait toujours ses roubignoles. Bah, je dis, bah, comment ça se fait qu'il a toujours ses roubignoles? Enfin, moi j'étais contente, hein, parce que. Bah, mais je dis, vous êtes sûr qu'il est. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, je sais pas, ils m'ont expliqué, mais j'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Donc, il peut pas faire de bébé à une autre. Non, c'était le but, mais il a toujours ses roubignoles. Bon, m'expliquerait, j'ai jamais rien compris. Si vous aussi, vous avez jamais rien compris que vous avez fait stériliser votre chat et qu'il a toujours ses roubignoles, bon, si vous, vous avez compris, expliquez-moi, parce que. Enfin, en même temps, ça fait des années. Hein. Mon chat, il a 15 ans. Ben si, et c'est comme s'il avait 1 an, il court partout et tout. Hein. Il est en pleine forme. Il a 7 vies, mon chat. Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben si, non mais je... Bon bah, il a ses robinets, il a ses robinets, hein. C'est très très bien. Hein. Alors bon, je sens que c'est pas un mal. Qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Non mais t'es folle, Brigitte. Brigitte, je suis en train de chercher le nom de... Hein, je trouve toujours pas. Ah, mais c'est des découpes de. Ah, t'es tout mignon. Si, c'est des découpes de roubouilles et de joy. Hein. Si, alors, il y a des joy, puis là, il y a des roubouilles. Tout mignon, mignon. Si, et puis des roux. Roux, si. Carabouille. Hop là. Hop là. Oh, non. Rien que de faire la découpe, là, le temps que ça prend. Ah, si, je sais. On m'a fait des petites pochettes avec les papiers embossés à froid, hein, les blocs. Alors, attendez, je remets le petit. Et tout est bien fait. Tout est bien fait. C'est vraiment bien. C'est bien fait. Tout est bien fait. Vraiment. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Pour nourrir les gosses. Alors, Guillaume, c'est du bon boulot. Pour nourrir les gosses. Tinaninani, tu les verras plus. J'en ai fait des brosses. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave.
Et ça, c'est des jolies die-cut en bois. Oh là là, c'est trop beau. Le petit ange, là, il y a un ange. Oh, il y a un ange. Oui, c'était un ange. Si, c'est mon petit papa. Si? On disait que c'était mon petit papa. Mais si, hein. Cupidon, c'est Cupidon. Le petit dieu de l'amour, hein, le petit ange de l'amour. Hein. Et un joli petit cadran en bois. La dernière fois, j'en cherchais un. Je sais plus ce que je voulais faire. J'ai cherché partout. Aussi, hein, j'ai cherché partout, partout, partout. J'ai jamais trouvé. Hein. Pourtant, je suis sûre d'en avoir. Mais alors, voilà, en voilà. Comme ça, souvent, je cherche les choses que je ne trouve pas. Moi, je sais pas ce que j'en fous. J'en ai pas comme j'en ai partout. Moi, j'en ai partout. Donc, voilà. Je te remercie. C'est trop gentil. Donc, ça, c'est pour les enfants. Tu sais, c'est marqué pour les scrapidous. Pour les scrapidous. Petits scrapidous. Alors, les petits scrapidous, ils ont un tiroir et je vais plus avoir de place dans le tiroir pour eux. Non, tu vois. Bon, je vais faire des envois, mais. Je vais faire des envois. De toute façon, ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Hop là. Ouh. Voilà. C'est un cahier vacances. Ah, ben, ils vont être contents, hein. Oh, ils vont être contents. C'est un cahier vacances, hein. Ah non, calculer. Oh là là, mais t'es folle. Non, mais. Non mais c'est une torture, hein. Une torture. C'est trop mignon, hein. Si, c'est moi qui vais le faire. Si, c'est moi qui vais le faire. Non, je plaisante, je plaisante. Je déconne, je déconne. Calculer. C'était tout mignon, ça, hein. Faire parce qu'ils vont faire des devoirs pour les vacances. Ça, c'est des stickers. Oh, c'est chouette. Sur le thème de la mer. Oh, c'est trop bien. Oh, ils sont beaux, hein. Oui, c'est trop beau, hein. Oh là là. Si, hein. C'est super joli, hein. Trop bien. Et là, on a des petits stickers aussi sur le thème de Mickey. Hein. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont sublimes. Hein. Oh, il y a même des marguerites là. Si, les marguerites, des cœurs et ça. Regardez, oh, c'était tout mignon. Si, c'était tout mignon. Hein. Vous les aurez pas, je les garde pour moi. Cruelle sorcière. Si, j'ai une sorcière. Hein. Vous les aurez pas. Nananer, tilananer. N'importe quoi. Mais si, vous les aurez. Ah là là. Ah, c'est signé. C'est bien. Oh, c'est trop charmant. C'était trop mignon. Oh, le boulot, tout ce que tu as fait. Oh là là. Et ça, c'est vert. Oh, c'est joli, hein. C'est très joli, hein. Très, très joli. Hein. Très, très joli. Hein. C'est trop mignon. Trop, trop beau, hein. Voilà. C'est une folle, hein. Si, c'est une folle. C'est trop joli. Trop, trop joli. Trop joli, trop joli, trop joli. Et là. Je mets... Oh, c'est beau ça. Oui, c'est tout mignon. Oh, c'est trop joli. Elle est trop belle ta carte, boîte aux lettres là. C'est Vichy, c'est mignon, c'est frais. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore ce que tu as fait. C'est adorable, adorable. Oh, c'est trop, trop chou. Hein. C'est trop chou. Trop, trop joli. J'adore ça. C'est mon petit coup de cœur. Si, c'est mon petit coup de cœur. Hein. Alors, tout ça, c'est pour les enfants. Alors, pour ce... je vais laisser un papier cadeau et je vais mettre ça, hop là, dans leur tiroir immédiatement, tout de suite. Non, mais c'est parce que il y en a tellement. Alors, attendez, je reviens, hein, je suis là. Hop là, oh, le tiroir, il va exploser. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va exploser. Si, paf, c'est ça. Donc, voici, voilà. Je te remercie pour eux, c'est adorable, c'est adorable. Ils vont être contents de faire des calculs. Ils vont être contents. C'est quoi ça? C'est pour mon œil. Oui, c'est pour toi, mon nounou. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Est-ce que vous pouvez le voir là, cette petite tête? Est-ce qu'on voit sa petite tête? Là, là. Vous voyez? Ça, c'est mon bébé. Ça. Il est là, sur ce petit tapis réfrigérant. Et, hein, un petit cœur. Hein. Alors, ça, c'était pour Loulou. L'amour d'amour. Hein. Alors, qu'est-ce que ça? Oh, c'est quoi? Oh, mais regarde. Oui, c'est mignon. C'est une ananas. C'est. Si je te donne mes noix de coco, toi tu me donnes mes ananas chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Si je te donne mes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Pouet, pouet, si ça fait pouet, pouet. Attends. Ah ça y est, le v'là, il a bougé. Là c'est la joie. Viens. Ça l'a fait peur, il est barré. Viens. Viens, c'est pour qui? C'est pour Nounou. C'est pour qui ça? Rien. Tu le vois? Rien. C'est pour qui ça? Oui, c'est pour qui ça? Si, il joue avec, hein? Tu.
C'était tout mignon. Si, c'était tout mignon, je te remercie. Hein. Je crois qu'il est en train de le gnapper. Hein. Si. Train de jouer avec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça fait des pouet-pouet. C'est pour qui ça? C'est pour mon loulou d'amour. Hein. Oui, c'était mon bébé. Hein. Hein, c'est qui? Attends, je vais refaire l'étiquette là. C'est de l'option ça. On retire les étiquettes, hein. Regarde, c'est pour qui ça? C'est pour bébé. Mon amour. Tiens, ah, c'est pour Loulou ça. Bon bah je crois qu'il est content. Hein. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre qu'il est content. C'était tout mignon mignon, hein. C'était tout mignon. Je te remercie pour lui. Oui. Bah les joujoux, ça fait toujours rester jeune, hein. Si. T'as compris quoi? Tu l'entends? Tu sais, il est en train de le retourner dans tous les sens. Et c'est quoi ça? Oh là, si c'est fini, si c'est enfin, c'est fini. Ben, vous avez compris quoi? Il est en train de jouer, ça me fait trop plaisir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est énorme. C'est trop beau, hein? Vous avez vu l'emballage? Tu l'entends? Machin. Je sais pas s'il va faire longtemps l'ananas. La gombrie quoi. Il est super content. Ça me fait plaisir. Il n'arrête pas de jouer avec. Ouais, c'est trop chou. Si, c'est trop chou. Ça me fait trop plaisir. On a compris quoi. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais tu te sens bien? Oh, c'est une folle. Mon dieu, mon dieu. Oh, tu fais du. Ah, oh, ouais, c'est tout mignon. Oh, c'est joli, c'est un petit nappe en crochet. C'est trop beau pour faire un petit album chabi. Oh, c'est beau. Mais t'es folle, écoute. Des plumes, si. Oh, merci. Oh, plein de choses. Oh là, des petits pompons, des machins, des trucs, plein de breloques. Oh là, t'es fou. Oh, c'est beau ça. J'adore ça. Attends, je regarde. Si, un truc qui m'a interpellée. C'est trop beau ça. J'adore. Tout est beau. Oh là, t'es folle. Oh, le petit chat, il est magnifique aussi là. Oh, j'adore. Oh, j'adore le chat. Mais t'es folle. Oh, c'est une cassette! Bah, tiens, j'ai chanté tout à l'heure. Si, 1987, pour les cassettes. C'est rigolo. Hein. C'est trop bien. Il y a des coins, il y a. Mais t'es folle! Hein. T'entends? Il aura fait kiffer. Il est super content, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Si, ça me fait trop plaisir. Hein. Alors, bougez. Ah, c'est bon. Des jolis rubans. Des demi-perles blanches. Oh, mais tu es fort. Des jolies plumes, j'adore. Merci. Des jolies plumes. Un blender. Un tool, quoi. Un blender, un tool, quoi. C'est chouette. Hein. Des petites marguerites. Toutes les couleurs. Oh, elles sont belles. Hein. Je les avais jamais vues. J'en avais jamais vu des comme ça. T'entends le raffut qui fait? Je te dis pas comment qu'il est énervé. Enfin énervé. Il joue avec quoi. Des jolis les petits stickers. Ils sont trop beaux papillons comme ça. J'aime beaucoup. Oh ça c'est des petits embellissements métalliques. Oh, c'est bien pour faire du steampunk et tout ça. C'est très beau ça. Ou pour faire du vintage. Hein. Mais c'est fort tout ce qu'il y a. Un joli tissu à pois là. Ah bah tiens, ça me fait penser au tissu à pois que tu as utilisé pour faire un album là, non? C'est pas le même? Je sais plus où il est. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. On a compris, quoi. Ça me fait penser. C'est peut-être le même, non? Tu as fait la tranche de l'album avec ça. Il me semble. Tu me diras si c'est différent. Enfin, tu me diras. Non, je vais vérifier moi-même. Il est là. Bah, il est dans les papiers de soie. Waouh. Waouh, il est beau. Ah, bah, c'est pas du 20-20, ça? Ah, bah, c'est bien, ça. 18-18. Ah, mais c'est parfait.
Ah bah parce que j'ai l'une d'entre vous, enfin il y a longtemps, mais enfin il y a longtemps, on a peut-être plus besoin, mais c'est pas grave, je le ferai pour les autres. Ça va mon loulou? Ah non, tu fais ses joujoux. Mais tu es tout mignon. Voilà. Qui m'avait demandé un album 20-20, format 20-20. Et puis j'avais dit oui, mais j'ai pas vraiment le temps parce que ça demande un peu de travail quand même. Hein, et alors, bah tiens, je le ferai avec ça, tiens, c'est une bonne idée, c'est une bonne. Je le ferai avec ça. Allez, tiens, je le laisse sortir là. Et puis tiens, du papier à colle à la blanc. J'en avais plus. Si, j'en ai plus en plus. Je te remercie infiniment. C'est. Comment te dire? Comment vous dire? Comment vous dire? Je te remercie infiniment du fond du cœur de ta gentillesse, ta générosité, tes attentions et tout. C'est vraiment adorable. Ça me touche profondément. C'est un peu trop quand même, hein. Mais enfin bon. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir. Donc ben, je vais te pendre, hein. Je vais te pendre haut et court. Et puis ben voilà, de toute façon, bienvenue. Hein. Comme je dis toujours, bienvenue aux scrappeurs du cœur, ça c'est sûr, bienvenue. Et puis voilà, c'est un vrai bonheur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de personne que vous êtes. Vraiment, 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 je ne sais pas quoi dire d'autre à chaque fois, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que vous êtes formidable et que je vous aime. Ça c'est sûr. Et puis bien vous les autres aussi hein, les autres aussi tous les abonnés tous mes abonnés de toute façon je considère que c'est des gens qui s'ils sont abonnés à ma chaîne et que ils me suivent etc sont des gens qui sont bien puisqu'ils me suivent vous avez compris quoi tout à fait humble comme d'habitude hein, plein d'humilité de simplicité tout à fait simple hein. Vous avez compris, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, hein, et puis on se retrouve très bientôt. Alors, je vais faire une petite vidéo très spéciale, très très spéciale, qui ne durera pas longtemps, mais c'est pour aider une abonnée. Mais je me dis que ce tuto, s'il sert à une abonnée, il peut servir à deux, hein, ou à trois, à quatre, à cinq. Si. Alors donc, je vais faire une petite vidéo très très particulière. Moi, ça me fait plaisir de rendre service. Si ça peut rendre service, en tout cas. Voilà, moi ça me prend pas énormément de temps et puis voilà. Et puis sinon on se retrouve demain, hein, demain mardi, c'est ça? Ouais, demain mardi. Enfin, je sais pas, ça dépend, ça dépend. Parce que je suis pas allée à la mairie aujourd'hui pour contre-temps, donc peut-être demain, je sais rien, je sais pas. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.